God, s'il a déclaré une parole sur ta vie, word over your toi, life, tu ne dois plus te poser des questions. You should not worry anymore. Quand Dieu dit oui, personne when ne peut dire non. Yes, nobody can quand say il no. parle, la Bible dit toute la création fait silence. Mathieu, yes. Tu sais, je suis en train de marcher où actuellement? Do you know where I'm working now? Je suis dans un pays. I'm in country. Amen. Amen. Je suis dans un pays actuellement. I'm in country now. Pendant que je suis ici, as I'm here, Dieu transporte mon esprit. God carry my spirit too. Je suis dans un pays actuellement. I'm in country now. Cette fois-ci, yeah, right je now. Ne suis pas en South Africa. I'm not in South Africa. Cette fois-ci, yeah, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. I'm not in Abricos. Mais je suis actuellement à Libreville. I'm in Libreville. Je suis actuellement au Gabon. I'm in Gabon. Y a-t-il des Gabonais dans la salle? Do we have Gabonese? Tenez-vous yeah. debout. Be je on suis your prophète. I'm a prophet. Quelqu'un, il est prophète. Say, he's a prophet. Tous les mois, donnez-moi votre dos. Je give me your back. Chose. Donnez-moi le dos, je vais voir quelque chose. Give me your back, I'll look some. Retournez-vous. You can turn back. Vous avez peur? Are you afraid? Quand on arrive ici, when you come here, on est devant le prophète Samuel. We are before Prophet Samuel. Samuel qui voit tout. Samuel aussi everything. Rien ne lui est caché. Nothing inside into him. Parmi vous deux, c'est qui est Michel? Who is Michel? Mets-toi là. Stand here. Je vois un prénom qui a écrit un nom. I see a name, a man. Il est difficile de le lire. It's difficult for me to read. Je vois K O M. I see K O M. Kolimbla, something like that. C'est ton nom? Kombila. She said she's Kombila. Alléluia. Tu crois un miracle? Do you believe a miracle? Tu crois un miracle? Mathieu. Mathieu. Yes. Cette femme que tu vois. The woman you see. Dieu va beaucoup l'utiliser. God will use her much. Elle servira Dieu. She will serve the Lord. Dieu va utiliser sa bouche. God use her mouth. Pour annoncer même des messages au roi. To announce a message to the king. Parce que là où Dieu l'a pris. Where God took her. Elle est sortie de loin. She came from far. Cette femme que tu vois. The woman you see. Elle a un grand cœur. She has good heart. Elle a un grand cœur. She has a good heart. Elle a connu beaucoup de déceptions. She faced a lot of disappointment. Ne lui parle pas dans l'oreille. She faced a lot d'humiliation. Faced a lot of disappointment. Mais il y a une forte jalousie qui est derrière elle. Strong jealousy against her. Beaucoup attention. Watch out. Tes copines. Your friend. Tu es quelqu'un qui a la grâce de Dieu. You have the grace of the Lord. Quand tu arrives quelque part. When you reach somewhere. Tout le monde veut que tu sois leur ami. People want you to be their ils friend. Ils viennent par profit. They come by through tu profit. Tu as beaucoup de personnes. You have many people. Mais il y a une copine même qui t'a fait du mal. One. Elle a trop sali ton nom. Blackmail your name. Je parle selon Dieu. Speak according to God. Attention. Watch out. Bah, je vois une jeune fille. I see a young lady. En fait, qui est gabonaise mais métissée. Half caste. Je la vois auprès de toi. I see a near faut faire beaucoup attention. Watch out. Parce que je vois une jalousie. I see jalousy. Les gens vont l'envoyer. People will send her. Elle mettra quelque chose. You put something dans ton verre. In your glass. Quand tu vas commencer à tomber malade. And you fall sick. Ils vont chercher la maladie. They will seek the disease. Ils ne pourront pas trouver. They will not find it. Tu vois un peu la personne de qui je parle. You see what I'm talking. Who I'm talking about. Est-ce que tu vois un peu la personne de qui je parle? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu plus fort? Je suis prophète. Tu la vois? Assis-y, Dieu s'y est. Assis-y, Libreville. Elle rentrera. She will enter. Parmi les autorités. Among the authority. Dieu lui a donné cette porte-là. God gave her this door. Dieu lui a donné cette porte. God gave her this door. Aucune personne ne pourra se mettre devant elle. Nobody can stop before her. Elle sera grande dans son pays. She will be great in her country. Elle sera incontournable. She will be a junction on everybody. Mais il y a une alliance qu'elle fera avec Dieu. By the covenant she will do dans son pays. In her country. Dieu lui-même lui a mis à cœur. God. Elle va créer orphelina. She will make an ONG. Elle va s'occuper des veuves et des orphelins. ONG. Dieu lui donnera cela. God will give it to elle va s'occuper des veuves et des orphelins. She'll take care of an orphan. L'argent ne sera pas un problème pour money elle. Will not be a problem. L'argent ne sera pas un problème money pour elle. Not be a problem. Il fut un temps very où time elle avait de l'argent. She was having money. Mais le vent a soufflé. And wind blow. Elle a connu des portes she où les gens sont allés la torpiller. People went to où ces portes ont été fermées. And door were closed. Mais le Dieu que je prie, the God I'm praying, je suis en train de voir I'm seeing, avant la fin de l'année, before the end of the il y a year, un voyage qui va s'ouvrir there will be travel dans son open pays. In our country. Mais ça sera une grande opportunité. It's a great opportunity. Ça va marcher. It will work. Lève simplement les mains. Just raise your merci. Hand. Thank you. Merci. Fond sonore. Carlo, montre-moi le clavier, le son du clavier, merci. The keyboard only. Jesus. Mathieu, on a à peu près la même onction. We have the same anointing, almost.
En fait, elle a un don de rêve. She has a gift of quand dream. Dieu lui montre les choses, ça se réalise. When God shows her something, it happens. Même les événements qui sont arrivés dans son pays, even the event c'est quelque chose que Dieu lui a montré en rêve. God shows it la bouche de Dieu est sur elle. The mouth of God is upon her. Il y a un ange qui est là. There's an angel je here. Vois qu'il lui remet une trompette. Who give you a trumpet? Parce qu'elle sera comme sentinelle dans son pays. She will be like a watchman in her country. Quelque chose est en train de se passer. Something happened now. Commandant, soyez fort. Security, watch out. Commandant, soyez fort. Security, watch out. Commandant, soyez fort. Security, watch out. Je relâche. I release. Arrose. What height? Arrose. What height? Il arrose des entrailles. He water your womb. Il y a une truc que je suis en train de voir. There's something I'm seeing it. Comme des histoires avec un homme politique. A problem with like a politician. Je vais la recevoir dans le secret. I will receive in the secret. Parce que l'homme politique l'a mis quelque part. The politician. Mais je suis prophète, je vais la faire sortir de là. Prophet, I'll take you away. Parce que Dieu m'a montré. God has shown it. Ils ont eu des histoires où il a fermé. The problem. Il l'a mis quelque part. Put you somewhere. Mais j'ai l'onction de Dieu. I have the anointing. Dieu m'a donné la clé. God give me a key. Où est-ce que je vais ouvrir? Where you are? C'est des choses intimes. I open it. Donc je ne peux pas parler publiquement. I will not talk publicly. Parole de l'Éternel. Word of the Lord. On acclame le Seigneur. Il y a une dame qu'on veut tuer en sorcellerie. There's a woman there to kill in witchcraft. J'entends Marie-France, c'est qui? I hear Marie-France. Marie-France, c'est qui? I hear Marie-France. Marie-France, c'est qui? Marie-France. Mets-toi là, mets-toi comme ça, madame. Lève les mains. Raise your hand. Tu crois un miracle? Do you believe a miracle? En fait, tu as effectué un voyage. You travel. Dans ce voyage, tu devais rester là-bas. You supposed to remain there. Mais Dieu est tellement avec toi. God is with you so much. Oui, il t'a protégé la vie. He protected you with life. Je ne sais pas. I don't know. Mais je suis dans une ville d'Europe. I'm in a city of Europe. Mais j'entends Barcelone. I hear Barcelona. Ça te dit quelque chose? It tell you something. Comment? Tu étais à Barcelone quand? L'été passé. Last summer. She said we were there with last summer. L'été passé. Last summer. Les vacances passées, c'est-à-dire 2016, c'est ça? Je suis dans son sommeil. I'm in a dream. Nous allons prier pour elle. We are going to pray for her. Cette femme est beaucoup combattue. They fought you a lot. Pourtant, Dieu lui a donné un grand cœur. Me and the Lord gave her a good heart. Elle aime les gens. She loves people. Elle partage. She share. Mais les gens veulent sa vie. People want her life. Tu sais que tu es beaucoup oppressé? Do you know that you are a lot oppressed? Même dans ton sommeil. Even your dream. Je vais faire retour à l'envoyeur. I will do a send back to the sender. C'est une femme proche de ta maman qui fait ça. A woman closer to your mother. Quand je vais proclamer tout à l'heure. When I proclaim now. Tu dis papa parle. C'est pas daddy speak. Dès que j'ai fini de prier pour when toi. When I finish praying for you. Tu vas apprendre la nouvelle. You hear the news. De ta maman est gravement malade. That your sister of your mother ce is que tu sick. Vas dire. What you say. En fonction de ça, on va négocier. And according to that, we negotiate. Si elle doit aller au ciel. Si she has to go to heaven. Le ciel. She go to heaven. Parce que tu ne mourras point. You shall not die. Parce que en fait, j'ai vu. I saw. Comme une feuille. Like a leaf. L'ange tenait dans sa main. The angel here. C'était écrit Marie France. I hear Marie France. Mais Marie France à côté. Marie France near. Je vois un nom que je n'arrive pas à lire. I see a name but I'm not able to read. Fallé. Fallé, something like that. C'est le nom de ton mari. It's the name of my husband. Can somebody give glory to the Lord? Qui croit un miracle? Who believe in a miracle? Tu ne veux pas connaître la mort. You shall not die. Matt. Yes. De ses entrailles. From her womb. Est sortie une fille. A lady came out. La fille lui ressemble beaucoup. The girl look like her. Voici sa taille. Look at her size. Her là, size. Like that. Comme ça. Là, like that. Lève ta main. Là, comme ça. Elle a le même nez que toi. She has the same nose. Elle te ressemble beaucoup. She look like you. Voilà, elle. Pleure pas, viens. Gloire à Dieu. Mets-toi comme ça. Mets-toi. Mets-toi là. Je vais prier. I'll pray. Look at. Pleure pas. Don't cry. Dieu va faire quelque chose. God will do it. On va tous étendre la main là-bas. Étends simplement la main. Nous allons faire retour à l'envoyeur. We will do same back tendez to the simplement sender. La main vers elle. Stretch your hand to et commence à towards her. Begin to pray. Déclarer, dis à Dieu. Say to the Lord. Tout ce qui est mort, ils ont prévu contre elle. What is death? Retour à l'envoyeur. Back to the sender. Tendez la main vers elle. Stretch your hand and pray à cause for de son cœur. Because of her. L'Éternel ne permettra pas. The Lord, tendez la main. Priez pour elle. Pray for her. 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 Pray for her right now. Pray for her right now.
Continue to pray, continue to pray, continue to pray, continue to pray, continue to pray. Libère. Go. Le feu. Fire. 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 Jesus. Libère maintenant. Go now. Pas vite. Go. Pas vite. Go. Pas vite. Go. Pas vite. Go. Bring her back. Bring her back. Femme, regarde-moi. Look at me. Look at that. I'll see you on your path. Fais tes mains comme ça. Do your hand like that. C'est qui Laurine? Who is Laurine? Viens. Come here. Lève tes mains. Raise your hand up. Prise ta passe. Tu m'entends? Libère sa vie. Ok? Libère. Set her free. Pas vite. Go. Libère sa vie. Je sécurise les vies. Je sécurise les vies. J'ai des choses à te dire dans le secret. Il faut qu'on parle. Gloire à ton nom, Seigneur. On acclame Dieu plus fort. Full of people. Il y avait des personnalités. Personality. Et dans l'avion, and the plane, a connu un crash. Crash. Il y a eu beaucoup de morts. Let Dieu me l'a montré. God show it to me. Donc nous allons prier. We are going to pray. Tu vas lever ta main droite. You raise your right hand. Tu vas répéter avec moi. Repeat with me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te recommande ce pays. I commit this country. Commit Seigneur Jésus. Lord. Je te recommande ce pays. I commit this country to you. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te recommande ce pays. I commit this country to you. Seigneur. Lord. Agis. Move. Manifeste-toi. Show yourself. Seigneur. Lord. Agis. Move. Manifeste-toi. Show yourself. Seigneur. Lord. Agis. Move. Manifeste-toi. Show yourself. Je plonge. À deep. Je plonge. À deep. Tous les vols. All the plane. Tous les vols. All the plane. Des France. Of Air France. Dans ton sang. In your blood. Seigneur. Lord. Tu sécurises. You secure. Ces passagers. All those passengers. Et dans ta main. Manifeste-toi et agis. Manifeste-toi et agis. Manifeste-toi et agis. Deuxième sujet. Second prayer request. Nous venons de réfugier tout ce qui est crash. We refuse all over the nous allons réfugier un attentat qui a eu lieu précisément dans le 16e. We refuse attempt. Où j'ai vu beaucoup de morts. All death. En fait, l'homme est venu sur une moto. The man came on et il a produit moto, ses dégâts. And, tu vas étendre ta main. And lève ta main, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te recommande commit, tous les territoires français. All the territory of, Seigneur, Lord, je te recommande ce pays. Commit this country to you. Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, tu as montré you show it, le 16e à ton serviteur. Seigneur, Lord, étends ta main. Your, étends ta main your, et glorifie ton nom. Glorify your name. Tout ce qui est attentat, what is attentat, tout ce qui est attentat, what is attentat, cela échoue. It fails. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, tu sécurises ce pays. You secure this au nom de Jésus, Seigneur, Lord, la Bible dit, the Bible says, ta paix dépend. Your peace depends. Ta paix dépend. Your peace depends. Ta paix dépend. Your peace depends. Ta paix dépend de la paix de la nation, of the peace of the nation là où tu es. Where you live. Seigneur, étends ta main your strength, your et glorifie ton nom. And glorify your name. Étends ta main strength, your et glorifie ton nom. And glorify your name. Il y a une jeune dame qui est ici. A young lady here. Récemment, on t'a parlé d'opération. Tu as peur d'être mais opéré. Talk about to you. Viens, je vais prier pour toi. Come, I'll pray for you. On t'a parlé d'opération. Tu as peur actuellement d'être opéré. Viens vers moi vite. Viens, je vais te toucher. Come to you. Me, I'll pray for you. Viens, je vais te toucher. Mets la main là où on doit opérer. Put your hand where they have to operate you. Ferme les yeux. Close your eyes. Maintenant. Now. Démon mystère. Demon. Je t'ordonne de partir. I command you to go. Je t'ordonne de partir. I command you to go. Parce que Dieu m'a montré. God show me. Où j'ai vu qu'ils ont mal fait l'opération. They didn't do it well. Elle a senti un handicap à l'endroit. She feel like I, mais à l'instant où je parle, what I'm talking, la puissance de Dieu te libère. The power of God is set you free. La puissance de Dieu te libère. The power of God set you free. La puissance de Dieu te libère. The power of God set you free. La puissance de Dieu te libère. Set you free. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Aide là. Libère. Go. Démon mystère, tu es paralysé. Go now. Au nom puissant de Jésus. L'esprit d'Élie repose sur toi. The spirit of Elijah is upon you.
La peau des nations. Tu vas parcourir des nations. Il va beaucoup t'utiliser. God will use il renouvelle ton palais en langue. Il renouvelle ton palais en langue. Tu es arrivé dans ce pays en mission. Tu ne dois pas marcher comme les autres. Tu dois faire son œuvre. Et l'Éternel t'établira au-dessus de ta famille. Seigneur, agis. Lord, move. Action à l'Éternel. Au nom de Jésus. Dieu est merveilleux, mes soeurs. Alléluia. Ça fait deux mois que j'étais malade. Ne pleure pas. Mm-hmm. Amen. Je ne me sentais pas du tout bien. J'avais vraiment la tension qui était élevée à 19. Je ne me sentais pas du tout bien. Quand je vais à l'hôpital, on me dit ma tension est élevée à 19 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'en ai parlé à mon frère, à mon petit frère, et il m'a dit non, allons à l'église, vos prophètes vont prier pour toi, ça va aller. Et c'est comme ça, le dimanche 3 septembre, je suis venue à l'église. Et en venant à l'église, je ne me sentais pas du tout bien. Je n'étais pas bien et j'ai dit à mon frère, non, je vais retourner à la maison parce que je ne me sens pas bien. Quand la musique... Quand on parle, c'est ça raison dans ma tête, je ne supporte pas et mon cœur bat encore plus fort. Il m'a dit, non, assieds-toi, le prophète doit te délivrer. Et c'est comme ça, le prophète m'a délivré. Et depuis ce jour, je n'ai pas vraiment les maux de tête. Et c'est parti. À la grâce de Dieu, je vais bien, je me porte bien. Et je vais vous aussi vous dire, et j'en ai parlé à ma mère, qui allait aussi consulter. Et qui a dit, qui a relevé aussi les mêmes problèmes que le prophète m'a dit. Et vraiment, si je n'étais pas venue à l'église, le mois de mars, j'allais vraiment mourir. Et ils m'ont dit de faire des sacrifices. Et moi, j'ai dit non, que je vais à l'église. C'est Dieu qui peut tout. Donc, moi, j'ai choisi la voie de Dieu. Et Dieu fera. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. We want to give thanks to the Lord for the life of our sister Gaviviane. She was here on 3rd of September 2017. And when she came here, she was sick. She was having high blood pressure and headache, a chronic headache. And when she reached here, the major prophet prophesied that there is a spirit of death and you are sick, which are following you. And after the prophecy, she received a deliverance. And today the headache has ceased. And she wants to give glory to the Lord. In Jesus' name we say amen. Alléluia. Amen. Comment dire? Dieu a fait grand. Il a fait grand. Mm. Depuis que je suis ici, beaucoup de choses se sont passées. Amen. Et les potes, je peux dire je suis béni. Amen. Par les prières des prophètes, tout ce qui se passe ici, je reçois et je saisis. Ça va faire 10 ans, j'étais sur tutelle, en renforcé. Ça veut dire que je travaille, mais je ne vois pas, mais ce n'est pas moi qui gère mon argent. À cause des problèmes que j'ai eu dans la vie, je buvais, j'étais alcoolique, donc je ne gérais pas. J'étais dans une maison, je ne payais pas le loyer, les assistants sociaux, ils m'ont mis sur tutelle. Donc c'était renforcé. Donc ma gestion, ce n'est pas moi qui gérait. Depuis 10 ans, je viens ici, je monte, je suis bien, vous voyez. Mais le prophète a prié. Il avait. Ne pleure pas. Ne pleure pas. L'émotion est trop. L'action de bouteille. Une responsable doit venir s'arrêter à côté d'elle pour. Il avait parlé sur la bouteille. Hein? Il a dit, Dieu va faire. Faut l'encourager. C'était quand? En septembre, j'ai convocation au tribunal pour le rendez-vous le 2 octobre. J'étais à mon rendez-vous. La main a été enlevée. La main a été enlevée. Ça veut dire que ma tutrice et le juge ont dit, bon, vous avez vu le psychologue, il a dit comme quoi que vous étiez bien, il n'y avait plus de soucis, on va lever la main. Au mois de novembre, je reçois ma gestion, plus sous tutelle. Maintenant, même pour mes enfants, je ne pouvais rien faire. Les habiller, il fallait qu'on me donne l'argent contre goutte. Malgré que c'était mon argent, c'est quelqu'un d'autre qui gérait. Et j'étais vraiment prisonnier de ça. Maintenant, la prière, tout ce qui s'est passé ici, je suis délivré de tout ça. Et
Bless you. We want to thank the Lord for the life of our sister, Doso Fatou. Since 10 years, as she said it, 10 years, not 10 months, 10 years, she was under tutela of the social assistant. And during a prophetic consultation, she went to see the prophet, and through the water she was having in her hand, the prophet prophesied over it, and she said, that bondage, you'll be set free from it. And she went to court, and after the decision, the judge said, from now on going, from November, she will not be under tutela anymore, and now she will be able to manage her finance and do whatever she wants to do. So she wants to give glory to the Lord for that bondage which shall be set him free. Amen. Amen. Ce matin, this morning, je ne suis pas venu m'appuyer sur la foi de quelqu'un. I came to spend on mais je suis venu te dire, I came to tell you, par ma foi, through my faith, ce que je vais prononcer sur ta vie, what I'll pronounce in que your tu life, ne crois ou pas, whether you believe or vaille que vaille. Whether you ces choses vont arriver. To pass. Quelqu'un ne m'a pas dit amen fort. Well. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen then fort. Amen well. Nous prenons tous notre Bible. We take our Bible. Luc le chapitre 17. Luke 17. Luc le chapitre 17 à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Jésus maître, maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Dès qu'il a vu, il a dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Les dix autres n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, et les neuf autres où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Gloire à Dieu. Ferme les yeux. Éternel, je veux te rendre toute la gloire. Et te dis merci pour ce moment. Éternel, je veux te présenter ta parole. Permets que ma chair se taise et que tu parles au travers de moi. Que je sois effacé, que toi, Dieu, tu sois vu. Nous te prêtons nos oreilles, prête-nous ta bouche, car nous ne sommes pas venus seulement entendre ta parole, mais nous sommes venus la comprendre. Car la foi vient de ce qu'on entend, mais elle s'agrandit en fonction de ce qu'on comprend. Agis, transforme nos cœurs, et je prie que Père, ces paroles demeurent en nous, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le thème que je vais traiter avec vous, my team, c'est je marcherai as I work, sur ça at his word. Voici une histoire. This is a story. La Bible nous parle talk de Jésus Jesus, qui revenait de la montagne coming from the mountain, et qui est entré dans une ville. And that city, la Bible dit qu'il y a 10 lépreux qui sont venus vers lui. Then the person came out et ils lui ont dit ceci. Say, Maître, Master, nous te prions. We are praying unto you. Prie pour nous. Pray for us. Guéris-nous. Heal us. Et Jésus lui dit, Jesus said, allez-y, montrez vos mains au sacrificateur. Then show to your hand to the priest. Jésus n'a même pas prié pour he eux. He didn't pray for them. Mais Jésus leur dit, he said, allez montrer votre main au sacrificateur. Go and show your hand to the priest. Mais la Bible dit, the Bible says, en allant, as we're going, en marchant, walking, ils ont constaté, they noticed, qu'ils ont été, they were healed. Non, quelqu'un m'a pas dit amen fort. La Bible dit, the Bible says, en allant, as we were going, en marchant, walking, ils ont constaté they noticed, qu'ils ont été guéris. They were healed. Jésus n'a pas prié pour eux. He didn't pray for la them. Seule chose que Jésus a dit, the only thing he said, il dit, allez, go, montrez vos mains show your hands au sacrificateur. To the priest. La Bible dit, the Bible says, pendant qu'ils étaient en train de marcher, as we were going, ils ont constaté they noticed, l'un à l'autre one que on la lèpre that the leper était finie sur les mains. Finished.
La Bible dit qu'ils étaient 10. Mais parmi ces 10, il y avait un qui était un étranger. One was a foreigner. La Bible dit celui qui est revenu vers Jésus. He came to Jesus. Et pour dire à Jésus, he said, Jesus, j'ai été guéri. I'm healed. Mais Jésus lui dit ceci. Jesus said, mais toi qui es un Samaritain, you are Samaritan. Comment se fait-il? How come? C'est toi qui reviens. You are the one. Et les neuf, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Were they not healed also? Ça, ça fera la force de mon message, mais pas it maintenant. Be message, en fait, je suis venu vous dire ce matin. Quand Dieu parle, when God speaks, c'est lui qui t'a créé, you, qui connaît ton passé, ton présent et ton past, futur. Your present, your Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu, God, s'il a déclaré une parole sur ta vie, word of toi, life, tu ne dois plus te poser des questions. Worry quand God. Dieu dit oui, personne when ne peut dire non. Yes, quand il parle, la Bible dit toute la création fait silence. Et quand il s'éteint, tout se disperse. Donc, je suis venu te dire ce matin, en ce mois d'octobre, je n'ai pas de prière pour toi. Mais la seule chose que je peux te dire, lève-toi et marche, parce que je sais que quelque chose est sur le plan d'arriver. Jésus l'a dit. Allez montrer vos mains au sacrificateur. En allant, en marchant. Vous savez, le problème du chrétien, ce n'est pas la prière. Le problème du chrétien, ce n'est pas le manque de jeûne. Le problème du chrétien, ce n'est pas le fond de la dîme. Mais le problème du chrétien, c'est l'obéissance. Tu peux jeûner, tu peux prier pendant des années. Mais s'il n'y a pas d'obéissance en toi, no obedience in you, comment est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir? How the word of God will... Regardez un homme qui s'appelle Abraham. Look at a man Abraham. Abraham était dans une belle famille. In a good family. Une grande famille. Great family. Où il y avait la richesse. Richesse où il y avait la prospérité. Prosperity. Où il y avait l'abondance. Abundance. Mais quand Dieu se révèle à lui, when God il dit à Abraham, quitte la maison de ton père father, et va dans le pays and go to que mon Dieu je te montrerai. Dieu ne montre pas le pays à Abraham. Mais la Bible dit, Abraham se lève Abraham et il obéit. And obey. Tout ce que tu as souverainement élevé, c'est tout ce que tu as d'abord éprouvé. Les chrétiens ont toujours peur de l'épreuve. Bien-aimé, tu n'es pas comme plusieurs personnes. Vous savez, il y a des gens. Dieu doit d'abord les montrer le commencement et la fin avant d'abord de s'engager dans des combats. Mais il y a des personnes que tu as choisies. Demande que Dieu croit en eux. Il ne montre pas le commencement. Il ne montre que la fin. Il dit, lève-toi, ça ira. Demain, je te bénirai. Demain, je te lèverai. Demain, je te rendrai prospère. Dieu n'a pas montré le commencement à Abraham, mais il lui a montré la fin. Il dit à Abraham, Abraham, je te lèverai, you, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Pour vous dire ceci, le Dieu qu'on adore, worship, le même Dieu God, qui se révèle à moi, sera aussi le même Dieu God, qui peut aussi se révéler à toi, mais sous une autre forme. Il peut se révéler à moi comme le Dieu du commencement, et à toi, il peut se révéler à toi comme le Dieu de la fin. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'obéissance en eux. Jésus a dit à ses lépreux, il dit, allez-y, montrez vos mains. Show your hand. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, show your hand. Tu n'as pas besoin de prier ce matin, mais je suis venu te dire une parole. Tu es béni, tu es élevé, tu es prospère, tu es riche, tu voyageras, tu connaîtras le mariage, tu vas connaître la fécondité, tu vas connaître l'abondance. Mais pourvu que tu crois en cette parole et que tu obéis à cette parole, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je marcherai sur sa parole. At his word. Abraham n'a pas dit à Dieu. Mais attends, God, mon ami, my friend, tu ne m'as pas montré le pays. You didn't show me et tu me dis de quitter ma famille. And you want me to leave my family. Ceux que Dieu a toujours élevés, God il les a toujours élevés par obéissance. You raise them by obedience. Bien aimé, belong. Que l'obéissance soit vos bases. May they obedient, si l'obéissance est ta base, your obedience, your personne ne peut te freiner. Nobody can stop personne you. Ne peut t'arracher nobody can take des mains de Dieu. The end of the une personne qui marche dans l'obéissance, c'est une personne qui est en alliance avec Dieu. Quel que soit vents et marées, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, comme tu obéis à Dieu, où tes ennemis pensent avoir, où tes ennemis pensent t'achever, ça c'est en toi aussi Dieu te donne un rendez-vous pour changer
ton histoire, où les gens disent que c'est terminé pour toi. Tu t'en sortiras plus, tu ne te lèveras plus. Ça fait 50 ans, ça fait 25 ans, pour d'autres 10 ans, tu es en Europe, on n'a pas tes nouvelles, c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a que des souvenirs, il n'y a plus de rêves, il n'y a que des révisions, il n'y a plus de visions, il n'y a que des choses passées qui sont derrière toi, parce que pour eux tout est fini. Mais une personne qui obéit à Dieu, l'Éternel est capable de refaire pour lui un avenir meilleur. Touche quelqu'un, dis-lui, je marcherai sur sa parole. Non, touche quelqu'un, dis-lui, je marcherai sur sa parole. Il y a des personnes, there are people, vous savez, you know, vous pouvez venir à 10 à l'église ensemble. You can come to church 10. Vous n'êtes pas même chose. You are not the same. Il y a des endroits. There are places. Dieu peut permettre que tu découvres avec une personne. God can allow you to discover. Mais c'est pas parce que tu découvres l'endroit avec cette personne. Not because you discover et que cette personne n'est pas là. And person que toi aussi tu dois partir. And you want to chacun go a back. Sa destinée. Everybody has his destiny. L'obéissance. Obedience. C'est une force. It's a strength. L'obéissance, obedience, c'est la base de tout chrétien. It's the base of every Christian. Tu ne peux pas marcher comme ça dans le vide. You cannot walk like that in sans place. Obéissance. Without obedience. Dieu ne pourra pas changer ta vie. God cannot change your life. Le plus souvent, most of time, ceux those qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, obey to the word of the qui Lord, ne sont pas obéissants, who are not obedient, quand les épreuves commencent, when the trial c'est ceux-là qui paniquent. They shake. Quand les épreuves commencent, when the trial starts, ils paniquent en même temps. They shake. They begin to shake. Mais une personne obéissante an obedient person, à l'Éternel, to the Lord, quelle que soit la situation, doesn't matter the situation, elle ne se pose pas les questions. Doesn't wonder. Elle sait que s'il y a un problème, you know problem, c'est qu'il y a une solution qui arrive. Solution. Elle sait que s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une élévation qui arrive. Elle sait que s'il y a humiliation, c'est que quelque part, le Dieu de l'élévation s'apprête aussi à changer sa vie. Elle sait que s'il y a maladie, le Dieu des miracles se prépare à intervenir. Pourquoi? Elle n'est pas paniquée parce qu'elle demeure dans l'obéissance. Listen. On peut être 10. We can be 10. Traverser les eaux du baptême. Cross of mais chacun a sa dimension de foi. But everyone et sa dimension de croyance. Dimension mais of tout dépend everything de où l'Éternel t'a rencontré le where premier jour. Met you the first day. Il y avait un homme qu'on appelait Pierre. A man called Peter. La Bible déclare qu'ils sont allés pêcher du poisson. They went to fish. Quand ils ont fini, when they finished, la Bible dit said, au moment où ils s'apprêtaient à laver les filets afin de sécher les filets, la Bible dit, said, c'est là Jésus lui dit, said, prenez vos filets, take your net, allez-y en plein eau go to a deep et jetez vos filets. And throw it. Regardez ce que les compagnons de Pierre vont dire. Look at what Peter, friend said. Nous là, oui, il était là, he was there, et puis on a échoué. And we failed. Jésus était là. Jesus was there. Pourquoi on est fatigué? Why now you are tired? En plein jour. In daytime. Pourtant un grand pêcheur pêche quand la nuit. A fisherman fish on en plein jour. In daytime. Pourquoi c'est maintenant il va nous dire d'aller now pêcher les poissons? We should go and fish. Non non non. No. Nous sommes fatigués. We are tired. Mais la Bible dit. The Bible says, ils ont dit à Jésus. They said to Jesus, Maître, Master, nous avons pêché toute la nuit. We fish all the night. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Somebody touched qui me. S'appelle Pierre. They call him Peter. Il a montré qu'il était fatigué. He showed that you are tired. Mais il n'a pas montré qu'il était découragé. But he didn't show that he was la fatigue discouraged. Et le découragement, c'est deux choses différentes. Tiredness and discouragement is different. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut être fatigué, you can be tired, mais il a toujours dans sa tête à atteindre ses objectifs. But you have your purpose, mais celui qui est découragé, il n'a plus de force, plus de capacité pour atteindre ses objectifs. Je déclare sur ta vie ce matin, je déclare que tu sois de la race de ceux qui sont fatigués, mais de ceux qui ne sont pas découragés. Il a dit ceci. Il dit, maître, Master, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole, at your word, je jetterai mon filet. I shall throw my net. Hier, tu as échoué, c'est vrai. Yesterday you failed, it's true. Mais aujourd'hui, il te dit, lève-toi. But today he's telling quand you, il parle, when he speaks, quand il ordonne, when he commands, la chose existe. The thing happened. La Bible dit, Bible says, Jésus s'est levé, Jesus stood, il a laissé les disciples aller pêcher le poisson. La Bible dit, ce when, jour-là, on that day, les filets the net, se sont remplis de poissons. Full of fish. Parce que l'Éternel avait parlé. Because the Lord has spoken. Quel est ton problème? What is your problem? Pourquoi es-tu découragé? Why are you discouraged? Montre-moi le verset qui dit, show me the à 54 ans, tu ne peux pas avoir un mari. At 24, montre-moi le verset qui dit, show à 58 ans, tu ne peux pas avoir un enfant. Je suis convaincu d'une seule chose.
à 90 ans, Dieu a prouvé dans la Bible d'une femme qui s'appelle Sarah qui a eu un enfant. Je m'en fous de ce que les médecins t'ont dit. Peut-être qu'ils te diront que la maladie que tu as est incurable. Mais je connais le spécialiste des cas compliqués. Quand il traite ton cas qui est compliqué devant toi, quand il raconte ton cas, il ne traite pas ton cas de façon compliquée, mais il est traite dans la facilité parce qu'il est Dieu de témoignage. Crois en ton miracle. Believe in your miracle. Crois en ton miracle. Your miracle. Je marcherai sur sa parole. I shall work at his word. Ton père peut te mettre au monde. Your father can give birth to you. Il peut ne pas croire en toi. May not believe in you. Mais ta réussite by your success ne dépend pas de lui. Doesn't depend on him. Il a été une seule porte. Que Dieu a utilisé pour te faire entrer. Mais c'est lui qui détient ton salut. C'est Dieu qui détient ton salut. C'est Dieu qui connaît ta réussite. Voilà pourquoi la mère de Jésus, quand elle a mis Jésus au monde, elle a cru que c'était un enfant comme les autres enfants. Or, la prophétie avait sonné que c'est lui qui sauverait Israël. Il viendra mourir à la croix. Mais quand l'enfant est né, à cause de la situation, elle a commencé à ignorer la prophétie. L'enfant prêche dans le temple. Elle lui dit ceci: viens, suis-moi. Follow me. Parce qu'elle ne connaissait pas sa destinée. Didn't know the destiny. Voilà plusieurs personnes dans ta famille qui ont commencé à se moquer de toi. Parce qu'on ne sait pas où tu t'en vas. They don't know where you mais are ils going. Se sont trompés de cible. Je suis convaincu. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. J'ai dit, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu peux commencer pauvre et terminer riche. Tu peux commencer malade et terminer guéri. Tu peux commencer dans les conditions les plus difficiles et finir ta vie selon Dieu. Quoi aux promesses de Dieu? Quoi aux promesses de Dieu? Je marcherai sur ta parole. Il y a des gens aujourd'hui. People, il y a des paroles qui ont été annoncées sur votre vie. Mais à cause de la situation, because of the situation, tu ne crois plus en cette parole. You don't believe in that word, que tu ne veux ou pas. Whether you like it or la pluie ne tombe jamais du ciel the rain will sans avoir arrosé la terre et retourné. Ground, quand Dieu a ordonné, quel que soit le temps, sa parole court à son accomplissement. Quel que soit le sorcier de ta famille, quel que soit ton déplacement, je suis convaincu que la parole de Dieu est toujours suivie d'un GPS. Quel que soit l'endroit où tu es. Ennemis de mettons, la parole te localisera, ton miracle te localisera, ton élévation te localisera, ta percée te localisera. Qui se lève, mettons, un amen de bien. Je vois son miracle commence à le localiser. Au nom de. Touche quelqu'un, dis-lui. Est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? Do you believe in your promise? Touche ton voisin, dis-lui. Thank you, neighbor. Est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? Do you believe in your promise? Dis-lui, est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? Do you believe the promise of the Lord? Je marcherai. I shall walk. Sur ça. At his word. Parole. Ah, moi là. Me? Mon problème est trop difficile. My problem is so difficult. C'est vrai que Daddy a parlé sur ma vie. It's true, my father spoke. Je suis convaincu que Dieu l'utilise. I'm convinced God uses it. Mais ma situation est trop compliquée. My situation is too difficult. C'est pas Daddy qui a parlé sur ta vie. It's me, not Daddy who spoke. C'est Dieu au travers de Daddy It's qui a parlé God sur ta who spoke vie. Through you. Qui connaît ton passé, ton présent. Know your past, your omniscient, present, omnipotent, omniprésent. Omniscient, omnipotent. Il sait tout chaud. He knows everything. Crois en ton miracle. Believe in your miracle. Crois en ton Believe in your miracle. Pourquoi forcément tu veux toujours qu'on verse huile sur ta tête? Why always you want people to pour oil on you? Est-ce que l'huile qu'on va verser sur ta tête est liée à ton miracle? Is the oil that go with your miracle? Dieu opère des miracles. God opère miracles. Souvent de façon différente. In a different way. De la même manière qu'il a guéri. The same way he healed. Bartimée. Ce n'est pas de cette manière the same qu'il a guéri l'aveugle dans Jean le chapitre 9. The blind man il a utilisé la poux. Mais pour Bartimée, il lui dit va ta foi t'a sauvé. Bartimée, he said go your faith will make you whole. Je vais emmener ton esprit aujourd'hui. I want to bring your spirit. Ton âme, ton esprit. Your soul, your spirit. À croire ce que tu as dit. To believe in what God has said. Crois en ses promesses. Believe in that promise. Ses promesses sont oui et amen. His promise are yes and la Bible ne trompe pas. The Bible un homme peut te mentir. A man can lie un homme peut se tromper. A man can lie mais la parole écrite avec la sagesse de Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il a promis comme promesse, ces choses vont arriver. La Bible dit ceci. Une main peut oublier le fruit de ses entrailles. Mais moi, l'Éternel, je n'oublie jamais. Je n'abandonne jamais. Je ne délaisse jamais. Pour te dire, ton entourage peut te délaisser à un niveau de ta vie. Mais c'est Dieu qui permet ces choses. Quand tu es né, si tu es né avec quelqu'un. When you are born, were you born with somebody?
Même si vous êtes jumeaux, chacun a son empreinte. Everybody has his fingerprint. L'échec de l'autre ne sera pas ton échec. The failure had là où l'autre s'est arrêté, tu ne t'arrêteras pas là. Je dis, je proclame sur ta vie. Je suis venu comme étant un sacrificateur ce matin pour annoncer les oracles sur ta vie. Si hier, cet homme finit en prison, tu ne finiras pas en prison. Ton sont morts dans les problèmes, tu ne mourras point dans les problèmes. Je dirai comme Zacharie, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Work of the Lord. Marche sur ça. Work at his word. Touche quelqu'un, dis-lui. Touch somebody, yes, sir. Tu dois marcher sur sa parole. You shall work at his word.